Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, les amis Taureau. Allez, je vais vous délivrer les énergies pour ce mois d'avril 2022. Allez, on y est. Oh là là, le temps passe très vite. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais chez nous, c'est guéri. On a un temps, on ne sait pas comment c'est bien, on ne sait pas si on se met en t-shirt, si on se met la veste. Bref, on va voir pour ce mois d'avril, peut-être qu'on aura beaucoup plus beau. Hein, on vous dit toujours en avril, ne te découvre pas d'un fil, et c'est toujours au mois d'avril où on a des super temps. Et on change le temps, c'est normal. Allez, bon, je vais continuer avec vous, mes amis taureaux. Allez, on y va. Je vais regarder un petit peu pour vous. Donc, on va faire le professionnel pour vous pour ce mois d'avril. Je vous laisse. Me mettre un petit pouce bleu, ça me permet de vous encourager encore à nouveau, de vous délivrer tous les mois mes petites prédictions à moi. Hein. Ça vous parle, ça ne vous parle pas, voilà, n'hésitez pas à commenter. Ne me fracassez pas sur les commentaires, s'il vous plaît. Hein. Essayez d'être voilà, on est dans des échanges, on reste positif. Pas trop aussi. Voilà, parce que il y en a qui peuvent le faire, ça n'est pas arrivé encore, mais j'ai pu voir autour de moi qu'il y en a qui le font, donc essayez de rester relativement, ne mettez rien à la limite, voilà. Et si la vidéo vous plaît, mettez-moi un petit commentaire si vous souhaitez que je vous fasse des vidéos aussi au mois par rapport à votre signe astrologique, c'est-à-dire à vous, mes amis taureaux, concernant le sentimental. Voilà, donc à ce moment-là, je vous ferai une vidéo qui durera peut-être autant de temps que celle-ci, parce que je viens de faire les béliers juste avant vous, et la vidéo a duré une trentaine de minutes. Voilà, donc je mets les vidéos au fur et à mesure, des fois ça prend beaucoup de temps, donc c'est pour ça que quand vous regardez ma chaîne, vous n'avez pas tous les signes astrologiques d'un coup, parce que je ne parle pas beaucoup. Allez, on commence. Énergie, avril 2022 pour les taureaux. Enfin, du moins, énergie, non, petit message. Hein, petit message. Message pour les taureaux, avril 2022. Message pour les taureaux, avril 2022. Avril 2022, les taureaux. Ce serait bien une, s'il vous plaît, une. Non, là, j'en ai trop. Merci. Avril 2022. Allez, ok. Profusion. Parce que vous voyez. Allégé. La magie divine est en chemin. Tends les deux bras, haut les mains. Ah, je le fais. Ah, je le fais. Alors, mettez les mains en haut. D'accord? Allez, on y va. Je continue pour vous, les amis taureaux. Allez, les taureaux, on va regarder un petit peu les énergies pour ce mois d'avril. Avril 2022, les taureaux. Avril 2022, les taureaux. Avril 2022, les taureaux. Ça tombe, c'est bien. Avril 2022. Énergie d'avril 2022 pour les taureaux. Énergie avril 2022. Les taureaux. Bon, ben, on va vous en prendre une au hasard. Les taureaux. J'ai le compromis pour vous. Et j'ai la protection. Hein? Ben, écoutez, c'est plutôt des belles énergies pour vous, les taureaux. Ça, c'est parce que vous avez tendu les mains en haut et que, vous voyez, il vous a envoyé quelque chose. Voilà. Donc, j'ai un compromis. Compromis, partenariat, ça peut être un partenariat aussi. Un accord. Et on est protégé pour ce mois d'avril. Ok? On est protégé par rapport à des perturbations, par rapport à des choses qui semblent peut-être lentes, longues, difficiles, compliquées. Voilà. Vous allez être protégé pour ce mois
d'avril 2022, mes amis taureaux. Allez, je vais vous faire donc, comme vous, si vous avez déjà vu, pardon, les petits, les vidéos que je vous ai fait auparavant, vous savez comment ça fonctionne, je vais vous faire, j'ai fait tout à l'heure, je voulais partir sur deux petits tirages généraux. Donc là, on va vraiment rester focalisé que sur du professionnel, donc je vais vous faire quatre tirages, d'accord? Il y aura deux tirages normales, hein. Mais je pense que ça va vous parler beaucoup, on va rester vraiment focalisé vraiment que sur du pro. Je vous ferai le relationnel aussi, je vous ferai à nouveau encore un autre petit tirage avec l'oracle des miroirs, qui est pas mal, très bien. Et je vous délivrerai le petit conseil, hein, de votre enfant intérieur pour ce mois d'avril, pour vous, mes amis taureaux. Allez, on y va avec le tirage. Allez, je vais vous bouger les cartes pour que je puisse avoir un peu de place. Allez. Avril 2022, les taureaux, concernant le professionnel. Avril 2022. Hop, avril 2022. Pourquoi j'en ai attendu? J'ai dû faire... Non. Non, il m'avait semblé voir une autre carte. Allez, avril 2022, les taureaux, pour le professionnel. Avril 2022, les taureaux. Vous allez avoir des choix à faire, un choix, enfin du moins des opportunités vont se présenter à vous, il va y avoir un choix. Allez, avril 2022 les taureaux. Alors, on est peut-être un petit peu dans des, vous allez peut-être être un petit peu dans des difficultés par rapport à des projets que vous comptez mettre en place. Ok, vous êtes ici, ici vous êtes à la recherche de, vous regardez quelqu'un. Vous êtes peut-être à la recherche de quelque chose, peut-être d'un travail aussi. Peut-être à la. Alors pour moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être probablement être un petit peu dans des difficultés à vous projeter, à faire des projets, hein, pour ce mois d'avril. On vous dit que vous allez être dans une recherche quand même d'être un petit peu peut-être sur du je dirais du. Du côté indépendant, hein, j'ai le côté un petit peu indépendant. On va peut-être un petit peu chercher le côté indépendant. On va avoir des opportunités qui vont se présenter à nous. Vous allez avoir de la chance, hein. Ouais, par rapport à des projets que vous allez faire. Les choses vont bouger rapidement. Vous allez avoir beaucoup d'intuition. Beaucoup d'intuition, du changement qui va se faire très après des difficultés pour moi. Il y aura quand même un petit peu quelques petites difficultés à mettre en place un projet pour ce mois d'avril. Après quelques difficultés, vous allez rapidement, il va y avoir quand même du changement, hein, du changement et plutôt des opportunités chanceuses. Vous allez avoir des opportunités chanceuses pour vous. Mes amis taureaux, ok, vous allez avoir des appuis aussi, on va vous aider, à vous transformer, hein, à changer quelque chose, à vous transformer, à vous modifier aussi. Après, on ne dit pas que vous n'êtes pas bien, mais je ne sais pas. On ne dit pas que ça ne va pas le faire, mais en tout cas, on vous dit que vous allez être soutenu, hein, vous allez être soutenu. Pour une méthode pour vous transformer, pour changer, pour peut-être par rapport à un partenariat aussi, hein, peut-être par rapport à un partenariat. Vous allez vous transformer par rapport à un partenariat concernant peut-être aussi, ça peut être par rapport au niveau du professionnel, hein, bien entendu. Peut-être un partenariat qui est peut-être pas très, je dirais, je sais pas, je suis désolée, je vous ai fait là. Je dirais le partenariat un petit peu joueur. Hein, voilà, on va peut-être un petit peu vous pousser à vous dire, oh, attention, danse.
enfin pas prudence, mais voilà, transforme-toi par rapport à ce partenariat, soit peut-être parce que cette partenaire ou ce partenaire est peut-être un petit peu quelqu'un qui est un petit peu dans le côté peut-être un petit peu séduction, charmeur, charmeuse. Voilà, hein. Et donc vous allez être beaucoup plus, vous allez être un petit peu plus dans la communication, hein. Je pense qu'il va y avoir quand même une notion quand même un petit peu de bonne entente entre avec quelqu'un, hein, avec un ou une partenaire. Ok? En tout cas, vous allez être poussé. Vous allez être poussé à changer peut-être aussi de comportement aussi par rapport à quelqu'un qui a à un partenariat. Hein. Ok? On vous dit que vous allez vous ancrer, vous allez être dans une vitalité positive plutôt pour ce mois d'avril. Hein. Avril 2022, les taureaux, je vais arrêter de faire le 1 parce que ça ne va pas le faire. Ici, on vous montrait bien que, il y avait un compromis. Hein. Pour moi, c'est les personnes autour de vous vont. Il va y avoir une notion de compromis, d'arrangement, quelque chose qui va se mettre en place. Plutôt positif puisque j'ai ce partenariat et j'ai ce côté un petit peu ben, le masque c'est l'illusion, c'est la magie, c'est le beau côté, c'est pas spécialement un côté négatif, hein, c'est un côté plutôt positif, quelque chose de créatif, quelque chose de ah ben tiens, on a une super, on a d'un coup on a une idée, ah ben, pourquoi pas, pourquoi on mettrait pas cette image-là en place, hein, c'est aussi le masque, c'est aussi ça. Ça peut être aussi le côté publicité aussi. Ah, ça peut être de la publicité, ça peut être le côté un petit peu, voilà, c'est pas spécifique. C'est quelque chose qui est là. Donc vous allez être poussé en tout cas. Donc ici on avait les appuis pour ce mois d'avril. On a les appuis, vous allez avoir des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir vers vous. Donc vous allez devoir prendre des décisions. Vous allez mettre en lumière des décisions à prendre concernant du travail, concernant un patron, ou vous-même, ou votre charisme, ou votre côté pro, et votre côté sérieux, votre structure, votre côté sérieux, tout simplement. Peut-être que peut-être que vous êtes peut-être directeur ou directrice, ou vous allez peut-être évoluer au niveau du professionnel, passer à une étape supérieure. Ok. Allez. Les taureaux. Avril 2022. Taureaux. Avril 2022. Avril 2022, les taureaux. Avril 2022, les taureaux. Donc à vous, écoutez, vous allez être fatigué. Il y a quelqu'un que vous aimez, qui vous apprécie. Alors c'est où? Vous fatiguez une personne que vous aimez beaucoup, que vous aimez bien, ou c'est cette personne qui vous fatigue? Voilà, en tout cas, on vous dit que il va y avoir quelque chose qui va être acté. Quelque chose que vous allez apprendre. On va acter quelque chose. Hein? On va acter, pour moi, on acte. Il y a un accord concernant une connaissance ou un homme mature qui a des connaissances concernant du relationnel, concernant une équipe. Une équipe, je dirais pas une équipe, je dirais plutôt un partenariat. D'accord? Vous allez, pour moi, apprendre. Vous allez peut-être être fatigué. Alors, j'ai deux options. Vous allez être peut-être fatigué d'étudier, d'apprendre. Il y a quelque chose qui va vous, il y a quelque chose qui va vous perturber concernant un partenariat. Voilà. Il y a quelque chose qui va vous perturber. Vous allez apprendre qu'il y a quelque chose qui va se faire, qui va être officiel,
Vous allez acter quelque chose, vous. Vous allez acter quelque chose. Ça va être officiel. Vous allez savoir qu'au niveau, au niveau d'un partenariat, il y a du sérieux, mais qu'on vous cache quelque chose, qu'une personne que vous appréciez vous cache, qu'elle est peut-être malade, ou qu'elle vous la rendez malade. D'accord? Peut-être vous qui rendez malade, peut-être une collègue de travail, quelqu'un que vous appréciez. Hein, peut-être que vous mettez quelqu'un, vous allez peut-être, oui, ou peut-être remplacer peut-être quelqu'un aussi, hein, pour ce mois d'avril. Peut-être que vous allez remplacer quelqu'un au mois d'avril. Parce que peut-être que vous allez être fatigué. Vous allez être fatigué, vous allez vous mettre peut-être, pour moi, aussi, peut-être en maladie aussi, hein, vous allez peut-être apprendre que vous êtes malade, hein. Vous allez peut-être faire une demande d'arrêt maladie. Ça peut être aussi ça. Vous allez peut-être ou remplacer quelqu'un. Alors, ça peut être une personne qui va se mettre, qui va j'ai plutôt l'impression que c'est vous, hein. C'est vous qui allez être fatigué. D'accord? C'est vous qui allez être fatigué et qu'il se peut que vous soyez fatigué et qu'il se peut que vous soyez que vous découvriez des choses concernant du partenariat avec une femme qui vous cacherait son sérieux, qui vous cache un petit peu, qui vous cache son sérieux et qui peut aussi vous fatiguer aussi à vous, d'accord? Une femme aussi peut-être qui, oui, qui vous cache son sérieux par rapport aussi à un partenariat, à une équipe. D'accord? Ici, on vous voit quand même comme quelqu'un qui est beaucoup dans la pensée. Vous êtes on vous montre comme quelqu'un qui pensait beaucoup, hein, qui est beaucoup dans l'organisation, l'imagination, les idées, les pensées, la réflexion. Vous êtes beaucoup dans les pensées pour les taureaux. Hein, vous êtes beaucoup dans les pensées par rapport beaucoup au monde. Hein, on vous dit que à la communauté. La communauté, c'est le monde. Hein, vous êtes beaucoup préoccupé par le monde. D'accord? On vous dit que vous êtes quelqu'un de mature. Alors, il y a peut-être une femme mature autour de vous, vous êtes quelqu'un de mature, mais qui vous occupez, qui est occupée, ou peut-être une femme autour de vous qui est âgée, qui est enfin, mature, une femme mature, pas âgée, une femme mature, qui est préoccupée au niveau de ses émotions. D'accord? Et qui va partir vers de la pauvreté, vers quelque chose qui ne va pas le faire. Concernant des signatures. C'est quelqu'un qui part vers des signatures, quelqu'un qui part appauvri, qui s'en va, quelqu'un qui est préoccupé par peut-être au niveau quelque chose qu'elle aime au niveau du professionnel, mais qui va s'en aller avec plus rien. Vers des signatures et on va l'occuper. L'occuper à nouveau. Elle va de nouveau être occupée. OK? Ici, on vous disait à vous donc que vous êtes beaucoup dans les pensées. Donc, j'ai le côté imaginatif, le côté, voilà, un petit peu comme on avait tout à l'heure sur la notion de. Plus où je vous l'ai montré tout à l'heure. Il m'a semblé qu'on a montré de. J'avais parlé de masque. Ici, on est dans les pensées. On pense à un changement de vie, à des gains. Vous allez avoir quelque chose. Vous allez penser à un changement de vie. Il va y avoir quelque chose. Peut-être que ça va être. Oui, il va y avoir un changement de vie concernant des gains. Est-ce que vous allez. Mérité. On vous dit que
vous allez, on va vous aider, on va vous soutenir financièrement pour ce mois d'avril, les amis taureaux. Ok? Allez, on va faire le relationnel. Allez, relationnel pour. Allez, le relationnel. Avril 2022, les taureaux. Avril 2022. Avril 2022, les taureaux. Avril 2022, les taureaux. Allez, on va. Allez, on n'a pas de communication, on s'isole. On fait un choix. On n'en parle pas. On ne parle pas d'un choix. J'ai un homme galant autour de vous. Ok. On ne communique pas de la magie. On n'est pas communicatif. Hein. On a. Oui. La fidélité. Si on vous dit que vous êtes fidèle. Il y a un retour à des projets. Ok. Donc pour moi, pour vous, on vous dit que vous n'allez pas être trop dans une communication trop communicatif hein, pour ce mois d'avril. Vous allez être un petit peu en retrait concernant des choix que vous allez prendre. Hein, vous allez être plutôt dans quelqu'un de fiable, de loyal, de fidèle à vous-même, fidèle aussi par rapport à votre entourage. Vous allez avoir des projets. Hein, vous allez avoir des projets d'un arrangement, peut-être avec un homme. Un homme galant. Hein. On est plutôt, on communique pas non plus ce côté passion qu'on peut avoir. Hein. Vous aimez la loyauté, vous aimez. Il y a quand même une notion de. On est un petit peu. On prend des décisions, on fait des choix, on reste fidèle à soi-même. Hein. Par contre, alors là, c'est. On est sur du pro. Il va y avoir le retour de quelqu'un. Dans le professionnel, j'ai le retour de quelqu'un. Et dans ce retour, on va mettre. Il va y avoir une réconciliation par rapport à peut-être à cette personne. Moi, j'ai plutôt une réconciliation avec cet homme autour de vous. Il va y avoir un arrangement et des bons raisonnements, des bons des projets. Des projets qui vont se mettre en place pour ce mois d'avril. D'accord? Des projets peut-être aussi de. Ça peut être aussi des projets de. Oui, des projets qui vont se mettre en place pour vous au mois d'avril. Ok? Oh là, en plus, vous avez la vie en rose pour ce mois d'avril. Ok? Vous avez la vie en rose pour ce mois d'avril avec un monsieur. Avec un monsieur. Ok? Alors, ce monsieur, on vous dit que c'est un monsieur qui est peut-être amoureux de vous, qui est amoureux parce qu'on vous parle d'un homme rival amoureux. Alors, l'homme rival amoureux, c'est pas spécialement l'homme rival, c'est peut-être c'est l'homme qui peut être jaloux. Ok, c'est peut-être aussi un homme rival. Alors, on dit l'homme rival parce que c'est quelqu'un qui est jaloux. Il peut être jaloux par rapport à vous parce que bah, il vous trouve superbe. Je sais pas, je vous dis ça comme ça, mais c'est quelqu'un qui peut vous trouver très 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 voilà qui est fasciné par vous et qui ben, peut être jaloux. Il peut être jaloux des personnes que vous côtoyez, peut être jaloux des personnes peut être jaloux tout simplement, c'est un tempérament. Voilà, vous avez des personnes qui ont des tempéraments jaloux. Des personnes qui ont des tempéraments à critiquer, des personnes qui ont des tempéraments, voilà. Ça fait partie du tempérament de ce jeune homme qui va faire peut-être partie de votre entourage dans le professionnel. Voilà, donc ici on avait la vie en rose pour vous, pour mes amis taureaux. Non, non. Bon, non par rapport à la vie en rose, non, d'accord. Non, la famille. La chance, on reste prudent. Un partenariat, toujours. Vous allez être prudent par rapport à un partenariat, d'accord? Vous allez être prudent, prudente par rapport à un partenariat. Oui, et il y aura un partenariat avec quelqu'un pour ce week-end. On avait
Compromis, partenariat, hein? On l'avait déjà tout à l'heure. Allez, on continue, mes petits. Avril 2022 pour les taureaux. Avril 2022, les taureaux. Avril 2022 et les taureaux. Avril 2022, les taureaux. Bon, on a les amis, la tranquillité. Avril 2022, les taureaux. Allez, on prend. Alors, la distance, ça peut être. Alors, vous mettez de la distance peut-être par rapport à un contrat aussi. Il y a de l'argent, il y a des changements, on se projette. Il y a des signatures de papier, des signatures de contrat aussi. On va peut-être mettre de la distance peut-être aussi par rapport à de la famille aussi. Oui, il y a un contrat, rentrée d'argent, changement, évolution positive plutôt au niveau d'un contrat. On vous dit que ça va être en plus un contrat qui va vous plaire. Il y a une notion de renaissance concernant de l'argent. Donc, il y a quelque chose qui va être revu concernant les finances. Et on va communiquer. On va communiquer quelque chose qui a un rapport avec le côté familial. Ce côté un petit peu, la famille, c'est aussi hein, le service. Hein. OK? On va être dans la communication, on va être plutôt dans des projections. Hein. Ne vous voyez pas comme quelqu'un, voilà, vous allez peut-être aussi vous retrouver. Hein. Là, vous avez peut-être peur, vous fermez peut-être pas les yeux peut-être par rapport à des projections, vous avez peut-être peur justement de tout ça qui va venir vers vous. Hein. On vous disait tout à l'heure que la magie divine était en chemin. Pour ce mois d'avril, pour vous, les taureaux. Donc, croyez, ayez confiance en vous. Vous avez une protection. Vous êtes protégés. D'accord? Donc, ici, on avait des réunions. On va discuter. On va être dans la communication. On va communiquer. Hein, on va être dans. Il va y avoir une réunion, des opportunités pour une évolution vers vous. OK? Quelque chose de positif qui va venir vers vous. Soyez quand même prudent parce qu'il y a quand même de. Peut-être de la jalousie aussi. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont peut-être essayer, peut-être par rapport à cette réunion-là, qui va être une opportunité pour vous. Soyez peut-être prudent par rapport à une évolution sur un statut supérieur, enfin, non, une évolution professionnelle, quelque chose, un grade. Voilà, je cherchais le mot, excusez-moi, par rapport à un grade supplément qui va vous permettre d'évoluer. Soyez prudent quand même parce qu'il y a de la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie qui va peut-être vouloir profiter de la situation. D'accord? Donc soyez peut-être prudent pour ce mois d'avril, les amis taureaux. OK? Donc ici on avait la réunion, on a la joie. Donc il y a quand même des bonnes choses. Un retard par rapport à une victoire que vous allez quand même obtenir. Hein. Il y a le retour à une victoire sur vous. OK? Donc restez positif. Allez, je continue avec le dernier petit message de votre enfant intérieur, le petit conseil que votre enfant intérieur vous envoie pour les taureaux. Allez, taureau, avril 2022. Taureau, avril 2022. Avril 2022, les taureaux. Ben, un petit conseil, ne ça veut pas. Allez, je vais le prendre au hasard. Allez, on accueille. Ben voilà. Accueillez la renaissance. Allez, on est dans l'accueil. Alors, j'accueille les différentes parties de moi. Tout en moi est aimable. J'ouvre mon cœur à moi-même. On avait, il me semble, tout à l'heure, quelque chose. Là, on a de l'amour, là, déjà. Hein. Vous allez vous aimer. Hein. Aimez-vous. Aimez-vous, de toute façon, il faut aimez-vous, voilà. Oui, vous allez tout simplement, bah, vous passez. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment passer une étape supplémentaire. Donc, soyez vigilant, vigilante. Si vous méritez quelque chose, allez-y. Hein.
On avait quand même tout à l'heure le bonheur pour vous. Il pouvait y avoir du bonheur pour vous et on avait quand même quelqu'un. On avait quand même ce monsieur qui revenait, cet homme amoureux, jaloux. Attention de ne pas peut-être pas tout mélanger. Hein, parce que, voilà. Restez sur le pro. Des fois, on fait passer d'abord. Voilà, restez sur le pro. Ok? Ça, je dis pas que c'est ça, mais voilà, restez quand même vigilant, vigilante, tout simplement. Voilà mes amis taureaux, je vous souhaite un bon mois d'avril. Je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur. À bientôt.